Salut à tous et bienvenue à tous. On va faire le prochain sport qui est l'athlétisme. On est déjà à la moitié du jeu, vous vous rendez compte? Bon, et après il y a des variantes, vous voyez. Et je l'avais acheté combien? Pour petite info, je l'avais acheté Day One parce qu'elle m'intriguait la Kinect. Il me fallait des jeux dont il y a eu Danse Centrale aussi. Mais ça, j'ai peur de le mettre parce que à cause des strikes. Je l'avais acheté 50 euros. Kinect Sport 2, je n'ai pas le prix, mais là je trouve que je vais le payer peut-être 20 euros. Je sais. Là on voit bien qu'on s'est fait arnaquer. Et non, parce que quand on peut regarder, il y a des jeux qui valent peut-être 70 euros au début, et après ils valent plus que 5 euros. Bon, c'est quoi vraiment l'arnaque? Là je me fais. J'ai l'impression de me faire moins de me faire arnaquer sur ce jeu-ci que en achetant Star Wars Battlefront 3. Star Wars Battlefront, mais c'est le Battlefront 3 qui est un bâtard que je trouve de cette franchise qui était assez bien et qui n'a pas fallu avoir un truc à part peut-être les graphismes. Mais voilà. DLC, c'est pas, bon, c'est pas à moi le jeu. Mais je les achèterai pas, moi, si c'était moi. Et compte fait, vous allez avoir un contenu PS4 d'ici peu. Et c'est une exclu PS4, je crois que vous allez voir en premier. Dans mes premières vidéos de jeu PS4. J'ai une PS3, mais j'ai pas les câbles pour vous filmer ce que je vois, ce que mes jeux sur PS3. Peut-être que je trouverai un câble pas très cher, mais j'ai vu que c'était à 25 euros, donc c'est quand même assez cher. Ah oui, j'ai content. Oui. 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 Mais qui est le meilleur? Eh oui, en fait, tu joues avec Kinect. C'est un jeu qui est très bien aussi, ça. Oh putain. Oh putain. À mon avis, je vais perdre. Bon, je sais pas, on va passer le tutoriel. Je vais pas parce que je suis au deuxième étage, j'ai pas envie de me faire engueuler. Parce que si je le fais doucement. Ces athlètes sont au top niveau, mais ils ne peuvent pas tous gagner des médailles. À remarque! Ah oui, mais il voit pas mes jambes. Allô? Allô? Attends, vous savez quoi? On va recommencer. Allô? Allô 5? On va redémarrer un peu parce que... En fait, il voit pas mes pieds, en fait. J'avais pas encore la confirmation, mais il voit pas mes pieds. Ce que je vais faire... Ravi de vous revoir. Voilà les. Je trouve un moyen. Bon, c'est la marche hitlérienne, la marche de l'armée allemande. Ça, ça marche. La finale du 100 mètres est toujours un événement. Je fais des bonnes blagues. Je fais des bonnes blagues. Bon, plutôt non. Quand la course démarre, courez sur place. Hans 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, Hans 3, 3, 4. Bon, si ça marche pas, bon... Est-ce que l'un de ces athlètes est en mesure de battre le record du monde? C'est vrai, ça. À remarque. Oui. L'athlète avance à toute vitesse et est en première place sans médaille. C'était bien joué, mais pas assez pour gagner. La marche allemande. Enfin bon, bref, on va passer. Bon, je suis en troisième position. Voilà, voilà. C'est pas le sport, hein, je vous rassure, il y a d'autres voyons trucs. Comment les résultats de cette épreuve affectent les classements. Sûrement qu'on verra. Voilà comment les choses se profilent. Mais tout peut encore changer. La course de haie. Oh, putain. Bonjour.
vous nous rejoignez au début de l'épreuve du javelot. Et je sais comment on joue au javelot. Prenez un javelot sur votre droite. Attendez. Ou sur votre gauche. Attends. Tendez le bras. Qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Courez sur place pour atteindre la zone de lancement. Tenez le javelot. On drive. Il va lui falloir un beau lancer initial. Bon, j'ai changé la Kinect de place. J'espère que ça ira mieux. Oh putain. Le premier lancer. Je suis désolé, mais avec un casque et dans les conditions où je suis, je dois courir comme un allemand. Aussi rapide que l'éclair. Je confirme que ce lancer n'est pas valable, malheureusement. Les résultats de la dernière épreuve sont fort intéressants. Je suis désolé, franchement désolé. Bonne vitesse dès le départ. Un excellent essai réalisé par l'athlète. Bon. Nous avons les résultats de la dernière épreuve. Intéressant. Oh putain. Tu aurais insisté assez sur l'importance de ce troisième lancer. Observez cette vitesse époustouflante. Lancer fantastique. Regardez la hauteur. Et surtout que je suis obligé de marcher d'une façon tellement dégueulasse. Si on peut voir dans les vidéos juste après le jeu la façon dont je cours, vous aurez tout de suite compris. Voilà à quoi ressemble le classement à ce stade, mais rien n'est encore joué. L'euphorie est à son comme ça vous voyez pour le saut en longueur. Vous voyez l'athlétisme. Courez sur place moi, mais cul, mais tu crois que je suis où moi? Je suis dans la cave. Je suis pas dans ma cave moi. Allez, c'est reparti, on va courir comme un Allemand. On s'en saisit. Cet athlète ne peut pas se permettre de rater son démarrage. Un élan très rapide. Ouais, là, 13 mètres. Un saut non valable, rien à ajouter. Putain, j'ai 3 essais, fuck you. L'épreuve précédente. Vitesse époustouflante, quel élan! Je sais pas. Le plafond est à 10 cm de ma tête. Bien, voilà les résultats de la dernière épreuve. Faites-en ce que vous voulez. Il se plonge dans l'action. Ce saut est considéré comme non valable. Ah, je suis désolé. C'est de la merde. C'est de la merde. À quoi ressemble le de la merde. De la merde. Oh. Parce qu'en plus, il voit pas mes pieds. Bienvenue au lancer de disque. Je crois que c'est le dernier jeu avec courir. Je crois qu'il y a le volleyball, mais c'est surtout avec les pour sauter. En fait, c'est juste pour sauter. Il va lui falloir un beau lancer initial. Et j'ai même pas encore lancé. Waouh. Bon, je vais remettre la Kinect là où elle était au début. Parce que j'ai même l'impression que c'était mieux là où elle était au début. Voilà les résultats de cette épreuve. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Il...
Va falloir se démarquer avec ce lancer. Les autres athlètes sont juste derrière. Serait-il possible qu'il dépasse les 60 mètres ? Eh ben, du record ! Nouveau record mondial. Ouais, tout de suite, quand il n'y a plus les pieds. Directement en tête, quel incroyable lancer. Je fais des trucs de dingue. Troisième et dernier essai. Il va falloir qu'il soit marchand. Serait-il possible qu'il dépasse les 60 mètres ? Il a lancé ce disque avec détermination. Oh, c'est un peu moins. Et c'est une réussite. Maintenant que les résultats de cette épreuve sont disponibles, on peut savoir où on en est. Ouais, je vois jusqu'à la pêche. Voilà des scores très intéressants. Je suis dernier. Là, je vais faire un peu de la merde parce que je vais être sincère avec vous. C'est encore un machin de courir et voilà. C'est pas la vidéo la plus marquante. Mais ça vous montre un petit peu si vous n'êtes pas au rez-de-chaussée ou que si Kinect ne voit pas vos jambes, ça ne sert à rien de jouer. Voilà. Les records du monde sont faits pour être battus. Assisterons-nous. Ouais. Ce départ était impeccable. Le reste de la course le sera-t-il aussi? C'est n'importe quoi. Oh, l'athlète a touché une haie. Espérons que ça ne se reproduira pas. C'est du n'importe quoi. C'est triste de voir les choses mal tourner. Tu m'étonnes. Mec. Aujourd'hui, pour cet athlète, c'est la participation qui a compté. Ta gueule. Ferme ta gueule. Je suis niveau 2. Wesh, canne à pêche. C'est Alexandre Marinqueuse. Lol. Franchement, c'est bien. L'IA est contente, l'IA. Bon, voilà, on va se quitter ici. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo si vous avez aimé. C'était de nouveau pour la chaîne des campagnes de jeux vidéo. Salut à tous.